mettez sous pied, m'a beau pied, m'a lavé pied, m'a baou l'honneur que tu mérites. En Israël et en Orient, quand on voulait honorer son invité, on versait de l'huile sur sa tête. Et par cet acte, Otla dit invité à, you are welcome. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut! Nous contents, et nous dit bon Dieu merci pour grâce qui fait nous pour nous capables de retrouver nous encore une fois à la table de la parole pour recevoir les instructions du Seigneur. Nous espérons jusqu'à présent un amour béni avec série de messages ça sous somme 23. Nous encourager ou partager avec 11 amis, oui, partager avec une famille et la va pour lui-même une source de grâce et de riche bénédiction. Déjà, nous souhaitons bonne audition et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et puis samedi, si Dieu veut, on a considéré la deuxième partie. Psaume 23. Mais qui ça le dit dans verset 5 là? Il dit comme ça, Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je dis à la prêter sous partie qui dit tu oins d'huile ma tête. Seigneur, ouvre l'esprit nous pour nous capables de comprendre ce que tu veux nous enseigner. Je me remets encore à toi. Seigneur, tu le sais et je veux sans cesse me le rappeler. Sans toi, je ne suis rien. Aie pitié de ton serviteur qui se confie en toi et qui croit en ta bonté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Léopold Sédar Senghor parlait souvent du royaume d'enfance, une tranche de sa vie qu'il définit comme un royaume d'innocence et de bonheur, un espace où il n'y a pas de frontière entre les morts et les vivants, entre la réalité et la fiction, entre le présent, le passé et l'avenir. C'est la période de croissance qu'il avait manqué le plus. Pour ma part, la période la plus marquante était l'adolescence. Les pièces de Corneille et de Racine m'avaient touché au point d'influencer mes ressentis par après. La tension entre le désir et le devoir, la honte et l'honneur, le vice et la vertu, le magnétisme du défendu et la maîtrise de soi, des polarités très réelles dans le quotidien humain, étaient envisagées dans un cadre contrôlé, mais l'impact était néanmoins puissant. Qui peut oublier les amours secrets, les forces sociales, familiales et religieuses qui les ont menacés et naufragés, amour défendu, amour caché, amour inexprimé? Ou qui doit faire un coup pour comprendre ça, m'a dit là. Mon songe, peut-être tout est dans la classe élémentaire ou bien moyen, et puis tout est gonti nèg dans la classe là, côté bat pour lui. T'es gonti fille dans la classe là, Zizi ou te pote le voulu. Peut-être tu es trop jeune pour oser dire quoi que ce soit, ou bien tu avais honte, ou bien tu avais peur d'approcher et de dire les deux mots les plus longs, je t'aime. Mais la réalité est que si je connais moun, même je me connais moun, et si ça me te vive là, tout le monde vive là, nous connaissons les bagages yorele, l'amour secret, l'amour caché, l'amour inexprimé. La thématique de l'amour étouffé est récurrente dans la littérature et dans les arts. Dans un recueil de poèmes paru en 1833, Félix Havert publia ce poème. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Un amour éternel et un moment, en un moment conçu, le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle suit son chemin, distraite et sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir, pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers tout remplis d'elle, quelle est donc cette femme et ne comprendra pas. L'amour inexprimé fait mal, pas autant
à la personne qui ne l'entend pas parce qu'il ne sera peut-être pas né, mais à celle qui le vit dans la solitude de son cœur. Le psaume 23 est plus qu'une déclaration de confiance. Elle est une expression de l'amour démonstration par opposition à l'amour diction. Ici comme ailleurs, dans le psautier, l'amour n'est pas dit, mais l'amour est démontré. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindris ma tête et ma coupe déborde. Ce verset est d'une haute intensité affective. Le langage du texte est celui de l'hospitalité et de l'honneur, de l'accueil et de l'amitié, de la grâce et de la générosité. Après le repas abondant et régal, Dieu fait un autre geste d'amour. Il oint d'huile la tête. Le verbe oindre de l'hébreu machak signifie induire ou frotter. En Israël, l'huile d'onction avait plusieurs significations ou plusieurs usages. Dans un premier temps, il était un usage spirituel, celle ou bien celui de la consécration. L'onction était un acte par lequel on consacrait quelqu'un pour le service. Le oint était mis à part pour Dieu. Et la Bible révèle que les sacrificateurs, les prophètes et les rois étaient oints, consacrés pour le service auquel Dieu les avait appelés. Et cette onction les dotait de capacités surnaturelles, littéralement puissants pour mon Dieu et puissants dans le service de Dieu. Les ustensiles et les objets sacrés du temple étaient également consacrés par l'huile d'onction pour marquer leur séparation d'un usage ordinaire et familier à un usage saint et sacré. L'onction d'huile t'es gagné également une valeur médicinale. On l'utilisait pour adoucir les plaies et les blessures. On trouve cette application tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous lisons par exemple en Ésaïe chapitre 1 verset 6, côté parole l'a dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandé, ni adouci par l'huile. Dans la parabole du bon prochain, Luc rapporte en Luc chapitre 10, verset 34, le Samaritain s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Donc, il était qu'on utilisait l'huile dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament parce que il était quoi, il était une valeur médicinale, il était adouci les plaies et rendait la souffrance beaucoup plus facile à supporter. Les bergers utilisaient également l'huile. Ils oignaient les moutons pour les protéger de tourment et de la mort. Parce qu'ils ont à vivre à ciel découvert, enragé. Pou, gon bête, il y aurait les pou et l'autre est sec. Ils ont gagné capacité pour installer souvent dans la laine des moutons. Puis, arrivé près de la tête, ils ont rentré dans les oreilles bêtes là. Et lorsque pour rentrer dans les oreilles bêtes là, traverser dans tout le canal, ça, yo, non seulement l'iran bête là tourmenté, mais ça pouvait même tuer l'animal. Les anciens bergers, conséquemment, pour être capables de protéger les moutons de poussaio et de l'insecte saio qui a venu attacher à bête là et rentrer dans les oreilles pour tuer lui, ça, qu'on fait, yo, qu'on prend l'huile. Yo mettait l'huile là sous tête bête là qui rendait la laine glissante et empêchait les insectes de parvenir aux oreilles. Pour la brebis, l'onction était un moyen de protection. Mais on était qu'on utilisait l'huile là en l'autre façon. Les Arabes, les Romains et les Grecs et les Hébreux, ils étaient réputés pour leur hospitalité. En fait, en Orient, l'accueil des étrangers était considéré et est encore considéré comme un devoir sacré. Yo te croit que, et au quoi, que les dieux rendaient visite aux humains sous la forme humaine. Cette compréhension est exprimée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux lorsqu'il déclarait, dans le deuxième verset chapitre 13 là, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, nos cultures orientales,
lorsque un étranger vint, il ne suffisait pas seulement de l'accueillir, il fallait le bien accueillir ou bien il fallait l'accueillir bien. Donc, moun yo te ba yon importance extraordinaire à l'accueil fait aux étrangers, à la manière de recevoir le passager, le pèlerin. Et yon une façon pour yon montrer que yon bien accueilli moun, yon vide l'huile sous tête li. So, le cas échéant révèle une carence grave de respect de son invité. Donc, quand quelqu'un vient chez toi en Orient et ou pas vidé de l'huile sur sa tête, c'est dit ou dit comme ou pas qu'à recevoir ou recevoir quand même, mais ou pas bali l'hospitalité, l'honneur et le respect dû à son rang. Vous comprenez pour qui raison? Dans Luc chapitre 7, Jésus reproche à Simon son manque d'hospitalité à son endroit. Lui dit Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Aïe, aïe, aïe. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sous mes pieds. Gè trois bagages Simon te doit faire. Et me souhaite chrétien te konn bagage ça yo. Simon te doit mettre la gloire pour laver pieds. Li te doit beau mettre là. Li te doit vider l'huile sous tête mettre là. L'elle va mettre la gloire pour laver pieds. C'était un signe d'humilité. L'elle va mettre là un baiser. C'est un signe d'affection. Et l'elle va mettre là l'huile sous tête li. C'est un signe d'honneur et de respect. Et puis tout Jésus rentré la caille Simon, li pa mettre la de l'eau, li pa boule, et puis tout le pas baiser, et puis tout le ciel qui a gardé des autres ça, le ciel qui va être respectant, et puis tout mon Dieu dit, je ne permettrai pas que mon fils soit déshonoré dans la maison d'un homme religieux. Et puis tout l'Éternel prend aux femmes de mauvaise vie, et puis tout ce qu'elle avait gagné, l'argent de toute une année, et puis tout l'achetons l'huile avec elle, et puis tout le dit, si on entre là, je pas mettre le sous tête ou m'a mettre le sous pied m'a beau pied m'a lavé pied m'a baou l'honneur que tu mérites. En Israël et en Orient, quand on voulait honorer son invité, on versait de l'huile sur sa tête. Et par cet acte, au-delà dit invité, you are welcome. Tu es le bienvenu. Tu es accueilli. Et tu es honoré. So when David says, thou anointest my head with oil. David est rentré profondément dans la culture de son temps et de son époque. David dit, Seigneur, tu ne m'as pas seulement reçu, mais tu m'as, aïe, 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 ou fais-moi sentir le bienvenu. Tu m'as accueilli et tu m'as accepté. David dit, my God, Sam Pyrémien, watch this. L'olly texte là, ou pensez que, aïe, 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 c'est table là seulement qui dressait en présence de l'ennemi. Mais ça ou pas qu'on est, hein, c'est que l'onction est également faite en présence de l'ennemi. Ennemi en ouais, les bons dieux vident l'huile là sous toi. Ennemi en ouais, les parfums ont tombé sous tes toits. Et puis tout ennemi en dit, that you've gone too far. M'te ka d'accord sous tes balles manger. M'te ka d'accord sous tes balles boue. M'te ka d'accord sous dire cette table là. Mais on met l'huile sous tête lit. You have gone too far. Et me donne bon Dieu qui a parlé au monde, qui dit I will go far. Parce que je ne laisserai pas mon amour caché. Je ne laisserai pas mon amour inexprimé. Je ne laisserai pas mon amour secret. Si vous me videz de l'huile sous, ma fidèle n'a figu. Tout le monde, pour yon connaît son honoré, pour yon connaît son élevé, pour yon connaît son exalté. Et puis tout le monde, mon Dieu, qui a levé mon esprit, moi mon Dieu, qui a fait ça, pas ton relais,
Moi, mon Dieu, qui a fait ça que mes prisons, respectez-vous. Moi, mon Dieu, qui a fait ça que mes temps derrière, relo pour venir devant. Moi, mon Dieu, qui a pondé. Et puis tout qui mettait au devant. Et puis tout me dit, Seigneur, qui sont à faire là. L'Éternel dit, be quiet. Let me honor you. Let me bless you. Let me elevate you. Let me promote you. Pour tout le monde reconnaître que ce n'est pas du nord, que ce n'est pas du midi, que vient l'élévation. Moun qui a levé, moun qui a honoré, moun qui a fait respecter, y aurait l'élévation. L'Éternel des armées. Et puis tout font texte. Dis Seigneur, fais respecter. Dis Seigneur, fais honorer. Dis Seigneur, fais une crainte pour moi. Ou même qui chita non vallée de dépression. Ou même y a joué. Ou même y a la bouche de l'eau. Ou même y a dit toute bagaille. Moi déclaré dans l'onction ça. Que mon Dieu élevé. Que mon Dieu fait grâce. Que mon Dieu marche avec. Que l'Éternel levé haute là. Que l'Éternel levé au propre là. Que l'Éternel levé détresse là. Que mon Dieu levé. Faut qu'on a dit Seigneur levé. Yo parle mal, toi pour lever. Yo critique, toi pour lever. Yo manque des gars, toi pour lever. Yo lave bouche sous moi, toi pour lever. Yo dis ça, on laisse sous moi, toi pour lever. Seigneur, lever. Lever. Aïe, 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 tout prie. Dis Seigneur, lever. Lever. Gon moun, Jean mon Dieu, pral lever. Ces petits doigts, yo te dit, quoi t'as jamais rien. La fait arriver. Et l'Éternel dit, les petits doigts arrivent. C'est levé, me lever. Gon moun, Jean mon Dieu, pral lever. C'est un petit ou besoin. Ou pas qu'à enceinte. L'Éternel dit, m'pral la gon petit encore. Et les petits moun sa fête. Ou va lever. Et puis tu me dis, Seigneur. Quel que soit Jean décidé là, quel que soit Jean voulait faire là, all that I care about, juste levez, 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 Seigneur, levez, Seigneur, levez, nom de Jésus. God says to David, you are welcome here. You are welcome in my house. You belong and you are accepted. Now, belonging or acceptance may not mean a lot to you, but ask a teenager who seeks to belong. And he will tell you the price he paid for belonging. Ask a gang banger. Al côté un jeune qui n'a gang pour qu'a senti que il fait partie d'un groupe. What is the price of belonging? Ask a rejected wife. What is the price of belonging? Ask an unwanted child, what is the price of belonging? Ask a person they are trying to force out because he or she is different. What? Self-acceptance is a big thing. L'acceptation de soi, son gros bagage lié. En fait, il y a une définition de l'acceptation de soi, c'est capacité mounan gagner pour remettre, pour accepter tête li, ça qui permet li ouè tête li avec amour et bienveillance. Lorsqu'une personne accepte ce qu'elle est, aïe aïe aïe, lorsque un moun accepte ça lié, moun lié dans sa totalité, moun sa capable de remettre tête li. Moun sa son moun qui capable à l'aise ak tête li. Li accepter pour à l'aise ak tête li ak moun niye a incluant ses forces et ses faiblesses. Elle est capable de se donner la permission de souffrir, de pleurer, de prouver d'éprouver de la tristesse. En fait, quand tu t'acceptes, ce que tu fais en réalité,
tu reconnais ton humanité. Il y a quitté pièce moun qui a metto son piédestal pour yo faut comprendre où c'est bon Dieu. Où c'est moun. Et de pour parler de moun ou parler de faiblesse. De pour parler de moun ou parler d'imperfection. Moun qui pas de compréhension même attend de l'autre la perfection. Mais moun qui de compréhension, yo apprend à accepter moun même les pas d'accord avec moun nan. Jean moun nan ya. Moi vive avec madame moi pas avec le désir de la changer. Moi vive avec le désir de l'accepter. Parce que si tu cherches à changer, tu n'accepteras jamais. Mais si tu acceptes, tu aimeras ensuite. Aïe aïe aïe. Ou après marquer que moun ou remé, c'est moun ou accepté. In spite of themselves. Avec leur faiblesse. Donc, accepter, c'est reconnaître son humanité. Mais c'est également reconnaître son unicité. Ça, américain, relève de their uniqueness. Bon Dieu. Créer chaque monde façon par eux. Ou c'est moun ou hier, li c'est moun lié. Et dans le grand plan de Dieu, li pas jamais que tout monde même genre. Bon Dieu voulait que chaque monde vive leur identité dans le cadre de sa loi et de son appel sur leur vie. Qui ça l'église tapie même? Ou bien qui ça la vie tapie même? Si tout le monde net tapie en rouge. Gen moun, c'est rouge là pour le mettre. Gen moun nan, c'est bleu, elle sentit bien là-dedans. Gen l'autre là, c'est jaune dans le remè. Gon l'autre même, c'est vert. Gon l'autre même, c'est marron. Et puis tout gon yon qui remè tout net. Ou après col li marron, chemise li rouge, pantalon et kaki, veste li bleu, et puis tout l'aile paraît devant ou est-ce tout ton gamme de couleurs qui présenté. Bon Dieu créé tout le monde unique. Donc tenez bien, là où comprenez ça, ou pral accepter avec unicité ou, et c'est par là que vous pral vivre le potentiel que Dieu a mis en toi. Pas chercher prêcher même j'ai Pasteur Johnson. Ou qu'il doit utiliser quelques techniques de Pasteur Johnson. Mais bon Dieu, met ton voix en dedans. C'est là où utiliser voix parole là. Gon moun qui touché. Gon moun moun kap touché, c'est Fefe. Gon moun moun kap touché, c'est El Dernier Restant. Gon moun moun kap touché, c'est Pasteur B. Gon moun moun kap touché, c'est Sendor. C'est Wabi. C'est Yasuko. Mais ça passé. Si son seul voix qui gagne, my God, moun sa pas béni. Si c'est seulement voix Fips qui gagne, moun sa pas béni. Et l'Éternel déclaré que l'a créé chaque monde différemment. Là où utiliser voix, lui utiliser voix là. Utiliser vraiment toute gamme péri. C'est le langage de l'acceptation. Acceptation de soi. Accepter tes tout. C'est embrasser la liberté. Seconde leçon que COVID-19 apprend moi. C'est pour m'baye esclave pièce moun. I am Johnson. M'parlons certaines façons. M'gen façon. M'gen jan m'opéré. Et COVID-19, et avec quelques déceptions de la vie, et d'aime comprendre que si je cherche à me changer selon les goûts et les caprices de tout le monde, je perdrai mon identité. Depuis que ce monde qui a essayé de changer, pour gagner caprice, amitié, tout le monde a perdu l'identité. Bon Dieu parle là pour faire mon plaisir. Bon Dieu est là pour tête où. Et pendant que tête où, tu seras original. Pendant que tête où, tu seras unique.
Pendant que tête ou tu seras rare, parce que pas gain de ou même. Pendant que tête ou tu seras spécial. Et avec ce que tu es, Dieu te bénira et bénira les autres. To really understand acceptance, ou a besoin de comprendre le concept de la réjection. Rejection. Which is the opposite of non-acceptation. Which is the opposite of acceptation. Pendant que je t'ai préparé le message de matin, je vais comprendre pour quelle raison le rejet et le refus dans la relation fait si mal. And I asked my wife this morning. Je dis, chérie, pour quelle raison rejet ou bien les enfants sentent-ils rejeté? Pour quelle raison ça fait mal autant? Et puis tout, madame me dit, mais qui ça, madame me dit? It hurts because you don't feel valuable. Rejection fait mal. C'est parce que moun qui ressentit là, moun qui éprouvait là, sentit que le pas gain valeur. It hurts, she says, because you don't feel valuable. When you reject someone, what you are actually saying to the person is that the person means little. The person means nothing. When you reject someone, what you are actually saying, you said the person has no worth. The person has no value and is essentially worthless. Mais mes amis, qui est-ce qui t'a mon jour et ne vaut rien? Qui est-ce qui t'a mon traitel? Tant qu'on chose. Dans son œuvre de génie, Andromaque, Racine met sur les lèvres de Pilade les paroles immortelles que voici. Mais je l'ai vu enfin me confier ses larmes. Elle pleure en secret le mépris de ses charmes. Et me dégonze en mime qui dit, toute femme pleure le mépris de ses charmes. Puis quoi baga ou café en femme, c'est mépriser. Puis quoi baga ou café en femme, c'est pas occuper. Puis quoi baga ou café en femme, c'est humilier. Je ne parle pas de langage grand monde ensemble avant la soirée. Gendele, même si vous n'avez pas mangé, tout manger à goûter. Bon servant qui dit ça, ça goûter. Goûter à manger. Je dis mon capitaine, je ne dis tout le bagage. Mais ça pour tendre, et ça pour comprendre, comprendre. Toute femme pleure le mépris de ses charmes. When a woman no longer feels desired by her husband, it hurts. When a child feels unwanted by his parents, it hurts. When a husband feels that he is not respected, it hurts. Et puis gros service. Je dis, frère, t'es là, t'es rendu moi-même. C'est lui aider à accepter tête moi. Société, toute société, établit standard de beauté, standard de valeur. Ils ont accepté ou bien ils ont adopté bagaille qui rend le monde acceptable ou pas. Et puis tout, m'tendez, et gué moun, t'aime bien, gué moun. Leur aller en fonction de sa société a dit, yo croit que yo pas rien. Mais l'aime lire la Bible dit moi quelque chose. Tu es quelque chose. C'est David qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je connais des gens qui ont attendu. Lorsque tu es marié, ou ton petit bonhomme,
ou ton petit banane file. Par après, ou vino banane musqué. Par après, ou tout non banane gosse bot. M'connais que moun, peut-être cap tandem. Lors t'es marié, ou ton petit banane file. Mais par après, tu deviens une patate. Par après, ou tout non bout yam. Et attention, Maria, t'es con baoua. Li pa baoul encore. Ou senti ou humilié. Peut-être, gomoun kap tandem. Ou senti ou rabaissé. Parce que tu es d'origine haïtienne. Ou senti ou rabaissé. En fonction de la couleur de ta peau. Mais le ciel voyait dit ma soeur. Que tu es accepté au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es accepté au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque papa bon Dieu prend l'huile là, aïe aïe aïe, l'île à gueule sous tête moi, c'est dit à chaque remémio, c'est dit à chaque raïmio, que le connaît qui est moyen, lui connaît des formes, lui connaît imperfection, lui reconnaît mon humanité, elle connaît mon unicité, mais l'accepte. Elle remède quand même. Et puis tout me tendez bon Dieu qui a parlé avec un monde qui a low self-esteem. Maman, t'es tout laide. Je t'ai dit t'es tout croûte. Je t'ai dit ou pas jamais. Je t'ai dit ou saute. Je t'ai joué un imbécile. Peut-être. Comme on t'attendait, professeur te dit, you are stupid, and you will never amount to anything. Peut-être, comme on t'attendait, tu as prononcé toute une liste négative dans ta vie. Tu ne seras pas médecin, tu ne seras pas pasteur, tu ne seras pas agronome, tu ne seras pas avocat, tu ne seras pas instituteur. Ou pas pour grand mécanicien, ou pas pour grand homme d'affaires, ou pas pour femme influente. Et puis tout le ciel, voyez-moi tout matin, m'tenez mon Dieu qui parle qui dit, m'connais petit moi, ou pas que titre c'est vrai, ou pas que non c'est vrai, ou pas que parrain c'est vrai, ou pas que marraine c'est vrai, ou pas que position c'est vrai, ou pas que influence c'est vrai, m'connais tout bagage ça yo, c'est peut-être ça, moi prends l'huile là, m'vide sous, l'huile là tombe sous, non seulement tu es, accepté, mais tu es aussi habilité, parce que lui là, lui représentait aussi l'onction du Saint-Esprit. Dans des Paul qui parlait, aïe aïe aïe, mais savez, bagalacho, seulement vont au texte, m'accepte. Hey, pas que fatra dans le papa, pas que fatra dans le pas que tête dans le pas que vagabond dans le pas que sans avec dans le pas que vaurien dans le pas que femme lettre dans le pas que femme malpropre dans le hey, peut-être ça qui doit nous l'autre caille. Mais pas dans le caille ça. Yo rele le top. Caille ça. Yo rele le temple du Saint-Esprit. Et parce que Saint-Esprit mon Dieu habite en dame, moi son qui joye. Parce que Saint-Esprit mon Dieu a vivre en dame, moi son qui joye. Nous te mettre noir, moi son qui joye. Moi sorti Haïti, moi son qui joye. Moi grandi dans cité soleil, moi son qui joye. Ou te mettre pas marié, ou son qui chante sur une tuile ma tête. You know, I'm closing with this. You know that pour nous-mêmes, mesdames, illustration ça, tenez bien. Parce que femme dit l'évangile là bien, frère Phipps. Pour mes chants, pas le dit, m'dit ça m'a dit. Ça sont illustrations.
Nous-mêmes adventistes haïtiens, nous pas mettre bague. Nous-mêmes adventistes haïtiens, nous pas mettre bague. Il y a notre adventiste qui mettait bague. Mais son illustration, puis une pièce, mon Aldi, dans mes chansons. Que Pasteur Johnson a fini gâter la communauté pour dire pour mon mari mettre bague. Et pas samedi, en illustration liée. You know that you are valuable to a man when he is willing to put a ring on it. C'est comme ça, Odile. C'est comme ça, Américain, Odile. If you like it that much, if you want it that much, if you need it, yeah, if you need it that much, if it means so much to you, soubal valeur, put a ring on it. S'il est important, put a ring on it. S'il bel en pile, put a ring on it. When you put a ring on it, that means you are committed. Et puis tu m'as demandé, mais qui application possible qui gagne dans le message ça? Les malais, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Et puis tu m'entendais, Paul parlait de la sorte. Mais qui ça a dit oui? Dans 2 Corinthiens chapitre 1. Verset 22. Mais qui ça dit? Aïe, aïe, aïe. C'est Dieu. Bon, prendre depuis dans verset 21. Et celui qui nous a fermé avec vous en Christ et qui nous a oués, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué de sang et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Maintenant, lui second utilise un gros français, les arts de l'esprit. Ça, l'autre version anglaise Bible, il dit which is a guarantee of our salvation. Ça me l'a dit. Bon Dieu, rien mais tellement. Il dit you know what? M'bral mettons l'huile sous. Mais l'huile m'a metté assez pour l'huile physique. Son huile spirituelle. M'bral mettait dans la voue yon onction que donne le Saint-Esprit. My God. En d'autres termes, sa hôte orientale a été fait pour son invité. C'est ça moi-même m'a fait pour vous. Et chaque fois, vous gardez, mais où est bague invisible ça. Chaque fois, vous sentez l'esprit ou tressailli. Ou recevoir une communication du Saint-Esprit. Chaque fois, bon Dieu parlait avec eux, l'exercer au travers de eux-mêmes, un don spirituel. Ou à qu'on est, que son promesse lui fait, que mariage là, a fait, quand même, chaque fois, regardez, où recevoir la consolation du Saint-Esprit. Connaissez bon Dieu, qui a rappelé, que le thème était, on l'huile sous tes tout. Tu induis ma tête. Chaque fois, ma vie qui t'aime aller au découragement. Il y a une puissance qui m'attire. Il y a une aide qui m'est accordée. Il y a une faveur qui est relâchée. Il y a une grâce qui est donnée. Et puis tu me sentis, ta femme c'est vrai. Mais je porte en moi une promesse. Je porte en moi une grâce. Je porte en moi une faveur. La grâce du Saint-Esprit. Et me donnez mon Dieu qui dit, non. I put a ring on it, but then I will put a crown on it. Akunia, nous seulement mettez l'huile sous, mais laisse ça arriver. Son couronne, m'a la mettre dans la tête. Laisse ça, ou à la chanter qui sont ces gens. Au radieux visage, que par-delà les flots tumultueux, laisse savoir à connaître que non, bon Dieu, you have more than enough. Nous connaissons, nous vivons dans la culture de la démesure.
et tu veux l'extra. But the Lord sent me here today to tell you that you have more than enough. You think the thing that will make it is your education only. You think the thing that will make it is your connection only. And you think the thing that will make it is your political skills. Bon Dieu vous aime Dieu. If you have the Holy Spirit, you have more than enough. I have more than enough. So I will not complain. M'a fini message là l'autre samedi. But I just want you to know that avec le Saint-Esprit dans ta vie, avec l'onction dans ta vie, avec l'huile sur ta tête, avec la présence de Dieu dans ton âme, avec la faveur de Dieu sur ta vie, you have more than enough. Hey, you cannot buy me because I know who I am and I know whose I am. You cannot put me down because I know who I am and I know whose I am. You cannot kick me to the curb because I know who I am. And I know whose I am. My success is not tied to a church. It's not tied to a place. It has everything to do with the anointing of oil on my head. Tu es tuile, ma tête. Que mon Dieu vide l'huile ça dans la vie. Et de pour qu'il y ait l'huile ça dans la vie. Pastor B was just sharing with me. He said, I will not beg. And I come here to tell you as I come to a close, do not beg. Pas faire petit sous-sous. Pas traîner devant moun. Pas marcher tête à terre. Pas penser par rien. À cause de l'huile qui est sur ta tête. Tu es accepté. Tu es accueilli. Et tu vis dans l'abondance. You have. I say you have. I declare I have. More. Much more. Much, much, much more. More. More, more, more. More, 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 more. Than enough, than enough, than enough, than enough. I have more parce que j'ai l'huile de Dieu sur ma tête. Nous espérons que nous avons été bénis par le message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour vous. Nous disons bon Dieu merci pour le ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remercions, nous remercions tout. Bye bye.